Marion, que t'inspire le parcours de champion de France contre la montre bah, C'est un beau parcours de, de contre la montre avec 29 km, donc c'est assez long. Après, il y a deux côtes aussi, donc moi j'aime bien euh, les, les côtes puisque peut-être les plus rouleuses pourront peut-être se casser un petit peu les, les jambes dedans. Et après, il faudra bien gérer parce qu'il y aura le retour euh, vent de face. Euh, donc euh, j'aime bien le circuit, donc euh, il me plaît bien, donc euh, j'espère euh, être performante dessus. C'est quoi justement ton objectif à mon objectif, euh, l'année dernière, j'avais fait 11e, euh, il y a deux ans j'ai fait 10e à Vesoul. Donc euh, bah, j'espère euh, à nouveau rentrer re dans le top 10 euh, pour, euh, pour essayer de confirmer justement euh, il y a deux ans euh, le circuit de Vesoul. T'as pu le préparer ce chrono j'ai pas vraiment pu le préparer euh, spécifiquement. Euh, on n'a pas de, de chrono. J'en ai fait un à nos la baisse. Après, là, euh, depuis 15 jours, euh, je monte un peu plus sur mon vélo contre-la-montre, mais je mise plus euh, sur samedi. Mais bon, euh, on va dire que j'essaie quand même d'être performante euh, pour aujourd'hui.